essayer de composer un petit truc vite fait comme ça. J'ai rien préparé, ça sera fait sur le tas. On va déjà commencer par le synthé. Ça va être un synthé massive, celui que j'utilise le plus. Donc comme ça, c'est le son à peu près. Mais on va changer ça. On va faire une sorte de pad, comme j'aime bien faire, un peu glitch. J'aime bien par exemple ce son là, bon il est pas beau, mais... Si tu te déplaces comme ça donne des effets bien sympas. On utilise par exemple un performer ou un stepper en faisant random qu'on déplace et qu'on met sur la wavetable position. Ça va donner des effets sympas. Voilà, c'est un petit exemple, mais j'arrive à faire des trucs un peu originaux. À 140 bpm, 120 ça me paraît bien. On va essayer de faire un truc un peu IDM avec des petits côtés glitch et ambiante. J'aime bien, on va rajouter quelque chose un peu plus sourd, un peu plus de grave que... enfin un peu étouffé. Je sais pas trop sur quoi on peut partir comme forme d'onde. On peut faire ensuite soit partir directement sur le filtre avec un effet que j'aime bien faire, je vous montre tout de suite. Ça sera un effet comme ceci. Alors, on va partir sur le troisième. En fait, on met le stepper comme cela. Donc, en fait, ça veut dire que sur les 4 temps, les 1, 2, 4, on sera sur ce filtre là qui sera par exemple un low pass, et sur le troisième temps, pendant toute la durée du troisième temps, bon, on va synchroniser, mais pendant toute la durée du troisième temps, je sais pas exactement combien je mettrai, ça me paraît bien comme ça, peut-être un peu plus bas, ça va être sympa, et ben on sera dans le... Ça va sortir de ce filtre là. Donc, par exemple, avec un low pass 2 pour que ce soit un peu moins fort, un peu moins radical. Thank you.
faire, on peut très bien imaginer un petit changement de rythme, petit goal position. Ça change un peu la formule. On peut même imaginer, par exemple, un peu dégradé. Alors, ce qu'on peut faire, hein, sinon, bon là, c'est, on va pas le faire là, mais décocher le restart. Ça permet de synchroniser toutes les notes, enfin toutes les notes jouées avec le clavier en fonction du. Enfin, en tout cas, ça va synchroniser le stepper ou le LFO ou tout ce que tu veux, tout ce qui est dans cette zone-là à peu près. Je crois que l'enveloppe. Non, il n'y en a pas. Ça synchronise tout ça avec le BPM du DAW. Et donc ça va permettre de, même si on joue pas les notes tout en même temps, d'avoir les mêmes variations au même moment. Et surtout, ça peut être très utile sur les arpégiateurs. Moi, j'utilise beaucoup sur les arpégiateurs. Bon, il me paraît un peu mou. Peut-être l'unisson, test. Ça va sur les trois notes jouées en même temps, parce que l'unisson c'est ça, ça joue trois notes en même temps, trois fois la même note, chaque fois qu'on appuie sur une note. Le pitch cutoff, il va modifier à peine le pitch et ça va donner des petites oscillations qui peuvent être sympathiques. Pour donner plus de corps à une basse ou ce genre de choses. L'enveloppe, on peut la modifier un peu, hein.
cherche à faire un pad. De la reverb, évidemment, ça marche super bien sur les pads. On la mettrait pas ici, on la mettrait sur une deuxième. Je suis assez fan de reverb, alors je mets souvent des grosses tailles. Un peu trop propre, je trouve. Ouais. Donc on va rajouter une disto. Pas aussi violente, mais ce qui marche des fois, c'est mais en mettre très très peu, ou alors mettre le dry à peu près à moitié. Donc soit on met beaucoup de distorsion sur une toute petite partie du son, enfin sur genre 10% du son. Soit on met sur 60% du son, mais peu de distorsion. On teste les deux et puis on voit ce qui va mieux. Quoi. Ça donne un peu plus de bruit. Pas très calé en solfège non plus. Il faut avoir des petites bases. Voilà, c'est un synthé assez. Enfin là, c'est un. J'ai fait un son assez basique. Hein. J'aurais même rajouté des petits trucs là dans la résonance. C'est bon. Il est discret, hein, mais ça va bien aller. On va y aller à la souris pour que vous voyez bien ce que je fais. J'ai envie de partir. Ouais, non. Je voulais faire une sorte de rythmique impair, mais on va commencer simple, je pense. Donc on se dit, on va faire du mi. Et le mi, voilà, ça marche bien. Ça. Faire les valeurs longues, je pense. En mineur. Alors on va essayer de dissipasser. Dissipasser les notes. Et en fait, on va essayer de garder un peu la même trajectoire. Enfin, des trajectoires assez proches pour chacune des notes. Enfin, ça passe pas très clair, mais en gros, par exemple, si mon accord d'après il y a un Fa, le Fa je vais le mettre ici. Je vais pas le mettre là. Parce que si je le mets là, bon si je pourrais le mettre là, mais. Oui voilà, c'est un mauvais exemple. Déjà je vais faire restart. Donc là on va pouvoir vous montrer mais... Ouais non en fait je vais pas pouvoir vous montrer parce que c'est tout super bien synchronisé. Mais si vous le jouez au clavier, ce sera pas forcément bien synchronisé, ce sera pas forcément bien
quantifié. Et donc, il peut y avoir des micro-décalages en utilisant ce genre de. Comment dire? Le performer ou le stepper ou même. Alors, LFO, il risque d'y avoir un micro-décalage et ça peut être moche, ça peut être beau, ça dépend. Il faut voir. Moi, j'aime bien enlever le restart. Ah mais non c'est déjà oui. Enfin, mon PC est pas super puissant. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre comme accord après? J'aime bien le fa. On peut mettre un accord avec un fa dedans. Qu'est-ce qu'on peut mettre avec un fa dedans? Allez, on va partir en phrygien, comme ça va être que les notes blanches, ça va être assez simple. Allez. On part comme ça. Donc le ré. On va le mettre là. Et là, on va le mettre là. Histoire que le plus grand saut, là c'est une tierce mineure. Donc en ça, c'est assez. Voilà. C'est là que. Enfin, c'est ça que j'entendais pas. On essaie de garder la même trajectoire. Et ensuite, donc ça c'est un accord de ré. Est-ce que c'est grave? Que j'ai envie de vous montrer, pas envie d'avoir un intermédiaire pour vous montrer exactement. Donc, après ça, c'est un accord. Pas trop dans la gamme et puis sympa si on a quelque chose de la gamme directement. Comme par exemple. Non, même avec un ré ça serait allé, ça aurait fait le petit accord diminué. Allez bon, on va mettre même la quatrième note de l'accord diminué peut-être. Ouais. J'enregistre pas la vidéo, l'audio, tout ça en même temps. Ça me bouffe pas mal de. Ça me bouffe pas mal de disques. De disques. Et j'ai pas un PC super puissant, comme vous l'avez remarqué. Alors, on peut partir sur quoi? Soit on peut revenir sur le menu, soit on peut partir directement sur un. Par exemple, un B. Ça peut être sympa. Pas du tout agréable, je suis désolé. Pas super bien ma game, enfin bon, phrygien pour savoir des accords utilisés, donc j'expérimente un peu en même temps. Le sol,
va peut-être rester dessus pour voir ce qu'on peut faire avec. N'hésitez pas à avoir une représentation visuelle, ça aide bien quand on n'est pas super bon au clavier, comme là. Donc le sol, on peut partir soit sur du mi, ce qu'on a fait tout à l'heure, soit sur du do, ce qu'on a fait tout à l'heure, soit sur du sol. On va partir de temps sur du sol, on va essayer. Très bien, puis après peut-être du ton en dessous. Comme le petit effet. Là. Et après. Faire un petit accord. Diminuer. Puis l'accord plein. On peut essayer ça. Donc, ça. Alors. Différent, peut-être un accord augmenté cette fois. Deux tierces majeures. Et. Comme ça. Avec le fa dièse qui n'est pas dans la gamme. Alors. Donc. Et. On essaye. Plus ça donne un schéma assez sympathique. J'espère que ça va faire pareil. J'aime bien. C'est un peu bizarre mais j'aime bien. On va partir à prendre une quatrième mesure pour s'arrêter là. C'est de repartir, revenir sur le mi. C'est pas enlevé, je vais partir sur le mi. Voilà. Ici, on va prendre la flèche. Et on pourrait mettre un 2 ici. Et donc ici, on va mettre cet accord-là, par exemple. Donc qui est strictement le même que celui d'avant, mais renversé en fait. Là, ici. Et là c'est encore un accord dessus. Pas parti sur un breakbeat mais sur un tour de batterie qu'ils vont faire avec la machine. Comme ça sera un truc un peu plus authentique et puis ça sera peut-être plus proche de ce que vous allez faire vous si vous essayez. Même si vous pouvez très bien prendre des breakbeats mais il n'y a aucun mal à les prendre. Mais juste comme ça, si vous faites une tour de batterie vous-même, par exemple ce que je fais c'est ça. Assez groovy, voilà à peu près le résultat que vous pouvez en tirer. Donc si vous
On va essayer de partir sur un truc un peu beach, donc on va de tout comme ça. On va mettre une première fois le paternel normal. Ensuite, ce qu'on peut essayer de faire, ce qui marche bien, c'est de le répéter. Exactement le même. Parfois, on essaye. Voilà, par exemple. Donc là, la snare n'est pas au même endroit. Alors, vous voyez, elle est un peu en avant. Ça donne un petit groove. Et au fur et à mesure, on va essayer d'apporter des petits groupes assez étranges en mettant des effets glitch quoi. Je sais pas comment dire autrement, des effets glitch, un peu des effets de bug de disques qui sautent quoi. Par exemple. Ce qu'on peut essayer, c'est. On va passer en. Un demi-step. Là, on peut répéter ça. Par exemple, comme ça. Ça n'est pas assez étrange, j'aime bien. Moi, j'aime bien. Et ça, pareil, c'est notre hâte. Ce petit hâte, on peut le répéter. Répéter la même chose plusieurs fois d'affilée à des intervalles très très courts, ça donne des effets, c'est assez sympa. Et là encore, c'est même pas encore assez court. Et l'idéal encore, c'est de pouvoir mettre un petit espace. Ça va enlever de la continuité, puis enlever du volume d'un coup, ça va donner un petit effet sympathique plus fort. Excusez-moi. Ça va donner un effet sympathique. Bon. Désolé si je suis pas très clair. Voilà. Dit au début, mais là on est sur Fruity Loops. Ce que je fais, on peut le faire sur pas mal de logiciels. C'est même encore plus facile sur Ableton Live par exemple. Ça peut se faire sur machine. Après, le reste des logiciels, je connais pas super bien. Cubase, ça va être difficile de le faire parce que. Enfin, non, encore que. Non, ça peut se faire. Non, sur Fruity Loops, c'est pas évident non plus. Hein, mais. Enfin, il n'y a pas. Genre, par exemple, là, je peux pas ralentir juste un. Si je stretch, regardez, ça stretch tout. Enfin bon, là ça ne me le montre pas, mais si je stretch là, comme ça pousse, là ça stretch tout. Donc c'est assez problématique. Et je sais pas.
pas bien comment on fait. J'utilise pas tellement les samples sur ce qu'ils faisaient d'habitude. Un petit peu, mais je suis pas un expert. Donc, on a fait qu'une mesure, enfin pas beaucoup de mesures. Donc on va continuer, on va faire sur toute la durée de là, après on rajoutera peut-être de la basse, peut-être voilà, un petit mix correct quoi. Là, peut-être des effets, on verra. Aussi c'est faire un intervalle entre les deux parties du sample et répéter la fin, ou encore mieux la répéter encore plus voilà. La ré répéter encore plus proche avec par exemple un effet 2 comme ça, 2-3 temps, ça peut être sympa. Enfin, deux. Là c'est du triolet. On va faire, alors je pense, ça va dupliquer celui-là, prendre le deuxième et on va le reverse. Ça va donner un effet simple, par exemple. Voilà, ça rend bien. Ça c'est typiquement de l'IDM. IDM c'est vous savez qu'à la base EDM c'est Electronic Dance Music. Et ben l'IDM c'est de l'Intelligent Dance Music. En gros c'est juste de la musique pour danser, mais en fait c'est impossible à danser dessus. Enfin c'est très difficile et en fait on va juste gigoter dans tous les sens. L'intérêt c'est vraiment que y a une recherche au niveau du groove. Bon. Qui n'est pas forcément évidente à capter pour tout le monde, c'est pour ça que c'est un style qui a du mal à sortir, et ça se comprend parfaitement. Thank you.
pas tout ce que je fais, hein, mais vous voyez bien les différentes façons que j'ai, enfin, différentes modifications que je peux faire. Donc sur le kit qu'on va essayer de, enfin le simple qu'on va essayer d'avoir le moins de fois possible sans changement, on va pouvoir par exemple changer en dupliquant et donc en changeant un peu la tourne. On peut rajouter des petits breaks soit au début soit à la fin, ici par exemple c'est les deux, avec des breaks qui sont soit dus à bah, juste on décale la snare pour en mettre à des moments qui sont un peu impairs et qui vont donner un sentiment d'accomplissement, soit, enfin de pas d'accomplissement mais de retour, enfin voilà, un break quoi. Soit on peut le mettre avec un effet de glitch, donc comme ceci, soit comme ça, soit avec enfin, la VST qui est dans Fruity Loops, qui s'appelle Grosse Beat, bon, c'est un peu bizarre mais ça s'appelle comme ça. Je le montrerai peut-être après, hein. Qui est bien sympa d'ailleurs, qui peut faire des effets de scratch, tout ça, qui peut être assez sympa. Faut bien le savoir l'utiliser, faut pas l'utiliser tout le temps, faut mettre des automations, tout ça, mais ça peut aller bien. Ici, voilà, différentes façons de le faire. On essaye de ne pas avoir les mêmes patterns. On essaye de mettre des reverses de temps en temps, enfin quand on peut, ça donne des fois un effet sympa. Faut voir. Faut voir. Par exemple là, on pourrait le mettre comme ça, après. On va le couper, on va mettre un reverse entre les deux. Un reverse de kick. Le reverse de kick, c'est le tout premier normalement. J'en prends les oreilles. Là ça rend bien. Parce qu'on a l'impression que le mec il tape sur le kick, que le kick renvoie un peu la sauce, avec les graves juste avant le snare, ça donne beaucoup d'impact sur la snare. C'est vachement sympa, je vais le réutiliser juste après. Voilà, je peux même limite sortir un petit hat. Ça se mettra hat sur le volume, de toute façon on se réfère au volume. Là ça rend bien. Là ça rend bien, puis on finit avec une forme plus normale, même si on va essayer, voilà, on va essayer de mettre la snare qu'elle soit pas, parce que la position normale de la snare c'est ici et ici, donc sur les temps 2 et 4 on va essayer de la mettre juste avant et juste après, en fait les deux, en fait ça va rendre bien, enfin, ça va peut-être rendre bien, on va voir, avec peut-être un petit kick juste avant, même le glitch, le kick. Ça peut rendre bien, on va voir, comme deux kicks super tôt, étant donné que là ça va être juste, on va juste avoir l'impression qu'on joue deux kicks, donc on va le déplacer, on va le finir un peu, tac, pour avoir un effet de glitch. Un peu à du FX Twin, hein. Voilà par exemple. On fait là. Et puis à la fin, on s'en fout un peu, quoi. À la fin, faut vraiment que ce soit un peu nawak. Ça rend bien. Et là, par exemple, on peut même faire le double, c'est-à-dire faire du glitch reverse. Voilà. Donc on va sélectionner la fin de celui-là. Tac. On va mettre 2, 3, 1, 1. On va sélectionner le début. On va mettre ici. Non. Donc, on va mettre. Non, on va mettre même le vrai. On va mettre le vrai. Le pas reverse. Mettre un bout de par reverse mais pas le même bout, genre ici, ça peut rendre bien, on verra, ça peut rendre bien. Et là on peut mettre un kick reverse, non, on va mettre un kick normal,
Et là, le vrai kick. Voilà. Là, ça rend mieux. On est d'accord. On est d'accord. Alors, on va réutiliser la technique de tout à l'heure. C'est-à-dire le kick qui revient en arrière pour annoncer la snare. Ensuite, on va essayer une snare qui va en arrière pour annoncer un kick. On va essayer. Je garantis rien, mais on va essayer. Kick, il est là. Du coup, on va le mettre sur un temps un peu rappel. Ouais, ici, peut-être un peu plus logique et ça va être un peu moins déstabilisant. Ça, on va prendre le kick. Non, on va prendre la snare qui est ici. Qui est un peu plus forte quand même que le kick. C'est un peu bizarre. Je suis désolé si on m'entend pas trop, hein, parce que je peux pas parler exactement en face du micro, j'ai mon micro à côté, enfin là, voilà, c'est un peu galère. Puis il est assez sensible. Donc vous devez peut-être entendre tous les clics, tout ça. Faut laisser l'auditeur sur sa fin. Donc, faire un truc vraiment très très glitch, hein. Enfin très très étrange, très très idéal, avec des trucs comme ça. Et ensuite, on peut vraiment partir sur un truc où on s'éclate. Comme ça, tac tac tac. Mais là j'avais envie de commencer par la batterie pour que pourquoi vous bassinez avec du massif, ou quoi. Parfait. Un peu de synthèse souvent classique. De l'édition de sample. Puis après encore de la synthèse sonore et passive. Donc là on va faire une basse. Une basse qui a des couilles. Avec la sauce, ça marche super bien. Ah mais on n'a pas fait de pattern 1, bah écoutez, le pattern 1 va être très bien. Donc évidemment comme c'est une basse, on va le mettre monophonique.
avec ma taille. Un truc qui marche bien, c'est de mettre un sinus. Un sinus, quoi. Problème du sinus, c'est qu'il faut vraiment entendre le petit clic. Bon, là, vous l'entendez sûrement pas avec la compression de la vidéo, mais c'est super discret. Et, là, ça vibre à peine. Mais ça c'est que ça apporte quelque chose quand même, quoi. Un truc qui marche bien aussi, ça revient au même que d'aller dans Voicing, rajouter de l'unisson et mettre plus de cutoff. Un peu, mais c'est une autre façon de le faire, donc je vous le montre quand même. L'intensité, c'est une sorte de filtre. On décale à peine là, ça fait un peu, c'est un peu fort, mais on peut mettre un low pass, vraiment un super gros low pass. Peut-être un autre low pass, mais un peu plus. Alors on va mettre une disto, toujours une disto sur les basses, super important, enfin c'est pas super important, mais ça peut, si vous cherchez des grosses basses. Drive gagner en aigu, mais c'est pas ce qu'on cherche ici. On cherche vraiment alors si on ajoute un effet, ça peut être un crusher. Thank you.
moyen de mettre dans le dans différentes pistes dans le mix. En fait, ça j'aurais peut-être dû. Ouais, sûr, en fait. Je vais juste mettre celle-ci qui est veille uniquement vers celle-là, et celle-ci on ira uniquement vers celle-là. Comme ça, ici il y aura toutes mes drums. Même si je coupe. Ouais, non, c'est bizarre, mais bon. Comme ça, voilà, je pourrais dupliquer mes effets sur les drums ici. Bon, ouais, je coupe celui-là. C'est vraiment pas mal. Enfin, faut juste, voilà, faut juste pas le mettre en fait. C'est con, hein, mais on prend un truc pour pas le mettre. Mais en fait, on va le mettre des moments intéressants, quoi. Ici, je vais essayer. On va voir ce que ça donne. Ça rentre. On va voir avec la batterie après, mais normalement ça devrait bien se passer. Ici, sur les fins de mesure. Voilà, à la fin ça marche nickel. Si on remet la batterie. Comme ça sans jaillir un coup. Bon, c'est pas grave. On va rajouter des petits effets. Alors, quel effet? C'est tout quoi. Mais ça c'est très bien. C'est un classique. Vous connaissez sûrement. Dans les fréquences qu'on n'entend pas, hein. Ensuite, on peut commencer à déjà mettre des fréquences. Mais ça c'est dû à, comme je le disais, l'enregistrement. Le Sussex Fattener c'est une sorte de compresseur, mais tu contrôles rien et ça rend bien. Donc c'est un peu magique. Sidechainer un coup, ça vous dit? Mettre un coup d'un bus. Le principe du sidechain, si vous ne connaissez pas, en gros, ça fait que ça compresse quand. Le sidechain, ça compresse quand ça tape avec la batterie. Sur la basse.
là-dessus, les gars. Alors, sur les batteries, on va peut-être égaliser un coup, mais on s'en fout. C'est qu'à égaliser, de toute façon, c'est un bon set, c'est un bon pattern de batterie, puis j'ai pas envie de vous faire chier. Connaître un CC Track 9. Pourquoi? Pourquoi mettre un CC Track 9? Parce que ça donne des couilles. Et ensuite, peut-être une petite réverbe. Celle des bases de YouTube, c'est bien. Enfin, bien. Correct. Ça commence à être inaudible. Je suis désolé. Sur le CC Track 9, je vais baisser un peu le gars. Pas le meilleur morceau que j'ai fait, mais voilà, peut-être, je sais pas combien de temps ça fait, peut-être une heure, peut-être un peu plus. Voilà ce qu'on a fait. C'est assez court, c'est pas très complet. J'aurais pu rajouter, j'aimerais bien rajouter un arpégiateur, mais je ferai une version normale, ou alors je peux peut-être le faire maintenant si je mets que ça. Ouais, ça crache quand même au pire. C'est mon synthé préféré. Cette fois on se fait pas chier, on va prendre un preset que j'ai fait. Et si vous voulez, je peux vous le filmer, vous demander. Ça se fait. C'est un synthé que j'utilise énormément. Et ce preset là, je l'utilise énormément aussi. C'est moi qui l'ai fait. On va utiliser à la va-vite la fonction arpégiateur. Ceux qui écoutent la musique devraient reconnaître, largement reconnaître, j'espère. Reconnaissez ce couple. Le problème, c'est qu'il faut lancer avant pour pouvoir.
À plus.